Bon, je vais en blanc. Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. C'est des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique qui a bien fait le plein. Ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Allez, c'est parti en Sardaigne. Et on rentre de la nuit, ton ballon. Simeone, oh là-bas. C'est repoussé par le transversal. C'est osé. D'abord, il allonge le jeu. Avec la Padula. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bien servi. Voilà, on va se concentrer. C'est reparti, ils peuvent contrer. Iago Falque. La passe en profondeur pour la Padula. Benevento qui essaye de construire. Demiral, le guerrier. Il récupère le ballon. Dans la nuit. Ça joue vers l'avant. Quel fait. Quel fait. Il appelle le. C'est raqué. Ah, c'est chaud. Ce sera une sortie au 6 mètres. Ounze. Ounache. Il cède sous la pression. Dans la profondeur, c'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Pour Iago Falque. La passe en profondeur pour la Padula. Iago Falque, il cherche un coéquipier. Le bon jaillissement. En la profondeur, bien vu. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Bonne lecture de la trajectoire. Dabo. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. À ma vie. Quelle passe. Voici Ounas. Le bon. Oh, il a passé Ounas. Oh, ça mérite de la réaction. Ça ne passe pas. Le tac. Bien joué. Il y a donc Ounas. Oh, la main ferme. Et ça ne passe toujours pas. Ça ne leur sourit pas pour le moment, mais c'est bien quand même, ils se procurent des occasions, c'est le plus important. Bon, maintenant, faut qu'ils marquent. On va marquer. Olé, olé. Ce sera le premier corner du match. Zanelli derrière le ballon. Et le gardien peut s'en saisir. Mon... Il est fort. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Il avait un côté ouvert et il cherche le côté fermé. Alors, comment vont-ils jouer ce corner? Ça, c'est directement pour le gardien. Thank you.
peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Ballon en profondeur pour Simeone. Oh, il a pris des risques sur un coup franc. C'est bien placé, ça peut être une frappe directe. Et on pourrait assister à l'ouverture du score. C'est direct. Oh, dans la tête. C'est bien défendu, il faut dire. Ça peut partir en contre. Simeone qui choisit le côté gauche. C'était chaud. Il allonge le jeu. Out. Kaderabek. Cagliari qui peut avancer. Allez, ça joue long. Ounas ! Le soutien derrière lui. Il peut y aller. Un sang. Le coup de tête. Le but pour Cagliari. Quelle fin de première période renversante. Quel centre, mais quel centre. Et forcément, derrière, c'est plus facile. Voilà, ça c'est une tête, un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction, et ça lui donne un but. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Quel timing dans l'interception. Long ballon dans le sens du jeu. Bien, la profondeur. C'est joué long. Ounas qui sent. Et cette tête. Dommage, c'était une belle frappe, un moment idéal pour marquer juste avant la pause. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Le premier bilan peut-être après ces 45 premières minutes. C'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasions. Ils ont clairement dominé dans ce domaine. Espérons un peu plus de réalisme en seconde mi-temps. Un seul petit bout d'écart entre les deux.
commence. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Simeone, c'est joué dans l'espace. Ounas, c'est tout ça. Le break est fait, deux coups d'écart désormais. La frappe enroulée, elle finit au fond. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes, mais là, on savait exactement où ça allait finir. Dans le but. C'est reparti sur ce score de 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Ounas. Cacré. À ma vie. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Il est repoussé par la défense. Une nouvelle intervention. Il remporte son duel. Ballon en profondeur pour Simeone. On le contre, l'arme fatale. Quelle occasion, attention! L'arbitre signale une faute. Le gardien dégage, loin. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. À ma vie. Cette possession un peu stérile. Dommage, ils avaient pris leur temps, mais au final, le ballon est rendu à l'adversaire. Il est passé pour Iago Falque. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. L'ouverture sur le côté. Il a tenté, bien joué. C'est un bon ballon, frappe. Ils s'en sortent. Cacré. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué long, c'est dangereux. Dans l'espace, ah non, ils ne se sont pas compris. Il préfère jouer avec son gardien. À ma vie. Out. Il change complètement de côté. Kaderabek. Ouverture lumineuse. Toujours efficace les 1-2. La grosse intervention. Il allonge vers l'avant. Il y a peut-être un coup à jouer. Il cherche la profondeur. Gabo! Oh, le tacle! Un long ballon vers l'avant. Le ballon dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Ounas, il met la tête. Ils sont passés tout près du 3-0. Aïe, 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 ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. Le bon ballon. La longue passe, il peut en profiter. Le bon dribble. Ils obtiennent la touche.
Iago Falque. Ce ballon bien dosé. Quelle précision. Il a stoppé l'attaque adverse. Dabo. Pas mal cette tentative. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. La bonne passe. C'est joué long, attention. Il tire. C'était bien joué, dommage. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Deux changements d'un seul coup, le manager a décidé de faire tourner. Ça va être intéressant de voir comment il se place. Il décide d'allonger le jeu. Pris au piège du hors-jeu. Le long dégagement du gardien. La passe dans la profondeur. Iago Falque, bien servi sur le côté. Ce ballon... Oh, le coup de tête! Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Benevento profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, Canax n'est pas brillant non plus. Il s'en sort plutôt bien, je dirais. On va jouer deux minutes de plus. Jean Pedro, il tente de la jouer dans l'espace. C'est fini, le match est terminé.